Bonjour tout le monde, voici ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Donc, le positionnement du chablon pour une forme ovale, l'incrustation de paillettes pour un effet flouté et un mélange pour obtenir un gel de construction laiteux. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ma plaque de l'ongle est déjà préparée, je vais donc commencer par appliquer mon soft primer sans toucher les cuticules. Je commence par assouplir mon chablon comme ceci, et je viens décoller la bandelette. Je la recolle simplement en dessous, en étant bien droite. Mon chablon est prêt. Je découpe les parties du dessus. Je viens coller l'une en face de l'autre, les parties du bas. Attention d'être bien face à face, sinon votre chablon partira de travers. Donc je place mon chablon pour une forme ovale en veillant à être bien droite. Prenez votre temps pour cette étape. Ensuite, je vais venir découper au niveau des points de stress dans un angle de 45 degrés. Je fais de même pour l'autre. Le fait de couper mon chablon au niveau des points de stress me permet tout simplement de pouvoir pincer mon chablon et donc celui-ci sera plus étroit que la largeur de mon ongle naturel. Veillez aussi à coller les ailettes par en dessous du doigt. Je repince mon chablon. Veillez bien évidemment qu'il soit bien droit. Pour rappel, nous faisons ici en vidéo une forme ovale. Pour une forme ovale salon, je ne monte pas le chablon comparativement à une amande moderne, amande russe ou carré long par exemple. Je vais effectuer mon rallongement jusqu'au numéro 2, donc en principe on pince au numéro 4, plus ou moins. Je vais réaliser mon rallongement avec le gel Crystal Pink. Je l'applique d'abord en petite quantité comme base sur mon ongle naturel. J'insiste en réalisant des petits va-et-vient, des petits zigzags. Je m'approche un maximum de la cuticule sans la toucher. Je n'ai pas catalysé la base, je viens directement appliquer mon gel cristal pour réaliser donc le rallongement. Je crée directement une forme arrondie avec mon gel. Veillez à suffisamment descendre sur les côtés. Le surplus sera tout simplement limé. Faites en sorte que votre rallongement soit fin. Si jamais il n'y en a pas assez, à votre aise, vous pouvez en rajouter. Je peux catalyser. Je dégraisse le gel avec du cleaner. Et je décolle directement le chablon vers le bas, délicatement. Avec une lime fine en émeri, je donne la forme ovale. Je raccourcis un tout petit peu la pointe et je commence par limer les côtés. D'abord à la verticale. Je lime petit à petit. La pointe de votre ovale doit être centrée. Le côté gauche doit être le miroir du côté droit. Veillez à bien observer au fur et à mesure du limage. La pointe de l'ovale est arrondie. Ensuite, je viens limer à l'horizontale, c'est-à-dire que je mets la lime à plat sur les côtés pour enlever l'excédent du gel. Je fais de même pour le côté droit.
je dépoussière afin d'observer mon travail. Je vois un excédent de gel sur le côté, je vais donc le retirer. Et voilà! Petit conseil pour vos rallongements, qu'ils soient réalisés en tips ou au chablon, vous devez toujours être dans la continuité de votre ongle naturel. Veillez toujours à faire attention à cela. Pour la prochaine étape, je vais réaliser une incrustation de paillettes au niveau des cuticules. Donc tout d'abord, je vais appliquer un gel argenté, le Pearl Tentation. Je l'applique au niveau des cuticules, je me rapproche un maximum et je vais le dégrader. Vous pouvez utiliser un autre pinceau pour cela, comme par exemple le pinceau fitter, qui va me permettre de dégrader facilement la couleur. Je la dégrade légèrement, je ne vais pas jusqu'au bord libre. Si jamais vous avez des difficultés à vous rapprocher des cuticules, vous pouvez toujours utiliser un pinceau de détail avant de catalyser. Pour incruster des paillettes, j'applique une fine couche de gel de construction transparent. Ici, j'utilise le Proviolette de Linea Femina. Je l'applique en petite quantité, je le dégrade légèrement. Directement avec mon pinceau, j'applique les paillettes. J'insiste au niveau de la base des cuticules. Celles-ci ont des formes différentes, elles sont magnifiques. Elles sont disponibles en vente à l'Institut et vous pouvez également les retrouver sur le site internet Linea Femina. Je dégrade légèrement quelques paillettes. Quand cela vous convient, vous pouvez catalyser. Pour la construction, je vais réaliser un gel laiteux avec le Baby Boomer, un petit peu de blanc vernis permanent et quelques paillettes effet sirène. J'applique quelques gouttes de vernis permanent blanc. L'intensité va être définie en fonction de ce que vous désirez obtenir. Donc à vous de voir si vous voulez en rajouter ou bien même faire un mélange avec une autre couleur pastel, par exemple. J'en ajoute quelques gouttes. Et ensuite, j'applique des paillettes effet sirène. Je mélange délicatement. Je vais rajouter des paillettes effet sirène et je remélange. Je vous conseille de réaliser votre mélange un ou deux jours plus tôt, étant donné que cela crée des bulles d'air tout en mélangeant. Vous pouvez également garder votre mélange de gel dans un petit pot fermé. J'applique une fine couche de gel de construction laiteux, mais attention, je veille à ne pas recouvrir toutes les paillettes. Ce n'est pas le but. J'estompe un petit peu le départ des paillettes. J'applique une quantité plus importante pour la construction. Je dépose la matière et j'étire. Ce gel de construction est auto-égalisant, alors laissez-le fuser. Étirez-le pour l'aider légèrement sur les côtés sans trop appuyer dans la matière.
Je manipule à peine le gel. Vous pouvez également retourner la main si votre gel coule trop vite sur les côtés. Lorsque le résultat vous plaît, vous catalysez. À cette étape, je réalise une deuxième petite construction avec un gel transparent qui va me permettre de protéger mes paillettes. J'utilise le Pro Violet Builder de Linea Femina. Cet effet violet va annihiler les effets jaunissants du blanc et en plus il va faire ressortir les couleurs de vos paillettes, de vos Nail Art. J'applique une première fine couche proche de mes cuticules. J'applique une petite quantité de gel que je dépose. Je la fais aller de gauche à droite et j'étire. J'étire mon gel également sur les côtés. C'est un gel auto-égalisant, donc laissez-le fuser sur la plaque. Je retourne la main. La gravité va me permettre de replacer mon gel correctement au bon endroit, c'est-à-dire au niveau de la zone de stress. Je l'ai également expliqué dans des vidéos précédentes. Veillez à bien observer votre gel. Lorsque le résultat vous plaît, catalyser une minute. Avec une lime Emery, je réalise le limage final de mon bord libre. De préférence, une lime assez fine. Je trouve cela beaucoup plus précis. Je termine avec un buffer pour retirer toutes les rayures laissées par les limes. Je veille à bien dépoussiérer avant de mettre ma finition. Je dégraisse avant de limer. Voici ce que ça donne pour le moment. À l'aide de ma lime, je rectifie le pourtour de mon ongle. Avant d'appliquer ma finition, j'ai d'abord dégraissé au cleaner pour bien retirer toutes les poussières. Et là, j'applique ma finition en fine couche. Et en même temps, on découvre le résultat des paillettes. On se rapproche un maximum des cuticules, comme d'habitude. Je catalyse sous lampe UV LED. Après avoir catalysé, pas besoin de dégraisser puisqu'il s'agit de la finition Super Shine sans résidu collant. Voici le résultat sur mes deux mains. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et sachez bien évidemment qu'une vidéo ne sera jamais égale à une formation en présentiel. Donc si cela vous intéresse, nous les proposons dans notre institut et chez Linea Femina à Mons.